Yo l'équipe, ça y est, le Spitro est enfin prêt pour Salbris là, le week-end prochain, du moins presque prêt. Je vais vous faire voir un peu ce qui a changé entre la vidéo d'avant et celle-ci. Bon, pour commencer, j'ai enlevé tous les autocollants que j'avais collés dessus. Là, il n'y a plus d'autocollants. Il est tout neuf. Même ça, on croirait que c'est un autocollant, mais non. C'est la peinture Dame Artwork. Il m'a fait une vraie peinture, les gars. Elle a 2 ans la peinture déjà. Ça va, ça roule plutôt bien. Enfin, du moins pour la peinture, ça tient plutôt bien. Et voilà la vraie modification, c'est le pot. Avant, il sortait grave à droite. Maintenant, il est pile poil dans l'axe. Ça va grave mieux. Vous en pensez quoi? Le petit Most for Run sans CC avec le Too Fast 100. J'ai fait un gros nettoyage de printemps. Un très très gros nettoyage. Hein. Je commence à en avoir les mains qui ont mal. Mais alors la team, vous en dites quoi? C'est validé ou bien c'est pas validé? Vous kiffez ou bien vous kiffez pas? On le fait démarrer ou bien on le fait pas démarrer la famille? C'est vous qui décidez. Vous connaissez hein. T'en faire voir sur la peinture avant que j'aille chercher le démarreur électrique. Pour démarrer le petit Spitro, voir comment ça tourne. Si vous êtes assez chaud. Même lui, il regarde. Despo, t'en dis quoi du scooter? Ouais, pas mal, hein. Je suis d'accord avec toi, frérot. Ah là là, qu'est-ce que j'ai hâte de le ressortir, les gars, vous savez pas. Là là, là là, il manque. Il me manque beaucoup, là. Là là, il me manque pas mal. Maintenant, je me demande si je le fais démarrer ou peut-être que je vais devoir attendre demain. Si vous n'êtes pas assez chaud, je sais pas, c'est vous qui voyez, les gars. Vous en pensez quoi niveau commentaire, like et partage là? On fait démarrer la saucisse ou on fait pas démarrer la saucisse? C'est vous qui décidez les gars. Ouais ok, on va le faire démarrer alors. Comme d'hab, go to atelier. Et merci, mon petit démarreur salade, je le reconnais bien. Hop 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 hop, plutôt vers là, et merci. Donc la team, on fait quoi là? Vous êtes chaud pour l'écouter démarrer? Par contre, je préviens, juste on le fait démarrer. Je pense pas qu'il y aura d'essai, à part si je me chauffe et que j'ai envie de le sortir, mais ça m'étonnerait. Je préfère qu'on laisse comme ça, et demain on ira dans une vraie ligne droite et on fera des vrais essais dans la ligne droite, et là je vous filmerai ça. Mais bon, déjà, on va le démarrer. On va voir ça dit quoi, si vous êtes chaud. Bon, la team, j'espère que vous êtes OP. On va aller le faire démarrer un petit peu. Histoire de dégourdir les bœufs, il faut ouvrir l'essence. Et allez, c'est parti. La pompe à eau.
tombe plutôt rond, hein. Après 6 mois d'inactivité, ça va, hein. Il a toujours le seum en lui, il a démarré direct, ça prouve bien qu'il en veut le moteur, il en veut. Hein. Ça fait vraiment longtemps, la dernière fois qu'il a roulé c'était à Bordeaux en septembre, donc de septembre à avril il a rien fait. À cette odeur de Q16, maman ça pique les yeux carrément. Oh bon, Q16 plus huile must, c'est mon parfum préféré. J'ai envie de le tester un peu dehors, non? J'ai envie de le sortir un petit peu là. Et essayer dans la ligne droite de voir ça du quoi. Bon, je fais quoi la team? Je fais le mec sage et j'écoute papy, je roule pas avec jusqu'à demain. Ou je fais la saladerie et je le sors et je le fume et puis je vais me faire engueuler. Et demain, bah j'aurai pas de coup de main. Bon, je pense qu'on va rester dans la première solution, ne pas énerver papy. Il est content, là, j'ai bien bossé son scout, ça se voit. Donc, je vais garder sur une bonne note jusqu'à demain. Demain, soyez prêts demain. Demain, ça va être du sale. Ça va être du vrai et c'est sur route. Il y aura de la vidéo. Là, j'espère que j'aurai le temps de vous faire le petit montage, là, collage de vidéos ce soir pour que vous ayez la vidéo ce soir. Si c'est le cas, bah, vous pouvez me remercier les gars en mettant un like et un commentaire. Parce que franchement, c'était pas prévu à la base. Petite vidéo faite à l'improviste. J'ai envie de l'essayer, mais on va éviter des problèmes. Demain, on le teste, c'est sûr. Il n'y a pas de souci, les gars. Soyez prêts. Bon, les frérots. C'était juste histoire de vous faire une petite vidéo parce que ça fait quand même 2 jours que je bosse dessus, 2 jours que vous voyez pas d'évolution. Au moins, là vous captez pourquoi on a mis un peu de temps. Vraiment, c'était le pot qui passe sur le côté, c'était vraiment le truc qui était le plus dérangeant. Après le reste, le moteur franchement, il va comme une horloge. Il n'y a rien qui a été fait, pas de piston, rien. Allez, roule. Et il roule. Vous connaissez les bails les gars. Bon la famille, je vous souhaite une bonne soirée. Et je vous dis demain si vous êtes vraiment chaud. Hein. En tout cas, moi, je suis chaud. Mais qu'est-ce qui lui arrive, lui, à gueuler depuis tout à l'heure sur quelqu'un? C'est qui que tu vois depuis tout à l'heure pour gueuler comme ça? Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois qui, toi? C'est sûr que tu vois des gens. T'es possédé, frérot. T'es possédé. Arrête d'être possédé. Ah, je crois qu'il parle avec les liens, je trouve. Bref, on va sortir ma petite scoubite. Et on va le rentrer. Eh, théma. Lourd ou pas? Ça tient tout seul. Ah là, il béton, je suis pas bien par contre. Allez, on va porter l'avant. C'est plus simple. Et merci. Allez. Ah, ça fait du bien de se poser dessus. Par contre, ça glisse, hein, les gars, je vous préviens. Ouh là là. Ça se voit que j'ai nettoyé ça. Ouais, le carénage, il faut être sur un scooter de ligne droite. Hein. Ne l'oubliez pas. Généralement, tourne comme ça. Hop. On va faire quoi? On va décaler un petit peu à gauche. Et merci. Ce que je suis pas en train de faire, les gars. Mamadou Live. Oh. J'ai perdu la déclic, putain, fait chier. Comment je vais réussir à le faire tenir maintenant? En attendant que je ramène la béquille. Allez. Tiens sur la charco en espérant que ton pas. Ce que je dois pas faire. C'est comme si vous y étiez les gars. Avec le bruit du banc d'essai. C'est comme si vous y étiez. Oula, ton pas toi. Et voilà.
fait dodo pour ce soir, frérot. On s'occupe de toi demain, t'inquiète pas. On va voir si t'as toujours les chevaux cachés dans ton moteur. Oh loulou. Et vous aussi, hein. Vous inquiétez pas, ça va arriver très vite. J'attends de recevoir le pot. Dès que j'ai le pot, on attaque les vidéos avec la Wheelie Bike, les gars. Enfin, parce que là, ça me fait galérer. Et le petit booster, bah, il fait dodo. Et j'attends que papy s'occupe de la variation sur le banc. Ça m'évitera bien des problèmes. S'il le passe au banc d'essai, ça m'évite de chercher pendant 20 ans. Et puis voilà. Ça y est, j'ai enfin libéré le pont. Enfin. C'est un peu le bordel encore. Mais bon, ça va, frère. Je peux pas non plus tout faire. Je peux pas non plus tout faire. Bon, là, les gars, je vais prendre mes affaires. Et on se casse tous les maisons. Et pas merci. Elle est où ma petite sacoche qui va bien, la parisienne. Allez, vas-y, c'est bon. Le reste, on tape. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oula, les clés de chez moi, c'est mieux quand même. Ce papier que j'avais besoin. Voilà, team. Là, normalement, c'est vraiment la fin de la vidéo. Donc, si t'as encore là, respect, tu sais ce qu'il te reste à faire, frérot. Tu likes, tu partages, t'envoies de la force. Et demain, moi, je vais vous en donner de la force, vous inquiétez pas. Voilà, team, on est ensemble, vous savez les bails. Et Inch'Allah demain, quoi. Tu connais. Et pas merci. Hein.